tu es bon. Acclame-le. On y va. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, tu es bon en tout temps. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le chantons, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous le chantons, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous ensemble. L'Éternel, lui qui est bon, lui qui est bon, lui qui est bon, pousse encore les cris de joie pour sa bonté. Ouais. Y a-t-il la joie dans la présence de notre Dieu? Lui qui est bon, lui qui agit en tout temps. Oh, il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, nous pouvons nous reposer en lui. Alléluia! Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui tu es bon, tu es bon. Dieu est bon, et nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi et je cours les bras grands ouverts. Alléluia. Dieu est bon, il est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Nous voulons le crier. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Ne plus jamais en douter. Dieu est bon, c'est bien fait. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour toi et je cours les bras grands ouverts. Alléluia, Dieu.
le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu jamais bon, le doute, ne plus jamais en douter, Dieu jamais bon, le doute, ne plus jamais en douter, Dieu jamais, bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, ah, ah, ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Jamais en douter, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense, et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie. Et je veux danser, dans son cœur il y a place pour moi. Et je cours vers toi, et je cours vers toi, et je cours vers toi, grands ouverts pour te louer. Alléluia, Dieu est bon, il est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon, il est bon, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Acclame-le encore. Oh, qu'il est bon. Qu'il est bon de le louer. Qu'il est bon de le louer. Qu'il est bon de le louer. Alléluia. Qu'il est bon de te louer, Jésus. Ah, même quand nous ne voyons rien, nous te louons. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Te louons, Seigneur Jésus. Nous venons t'offrir une offrande d'acclamation, Seigneur, en reconnaissance de ce que tu es, Seigneur, pour nous, en reconnaissance de pour tes bienfaits, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Seigneur. Reçois notre adoration, reçois notre louange. Dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. J'ai dit ceci, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, tout était bien fait, toi qui as fait tant de merveilles pour Papa, moi, Papa, que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah. Je t'offre, oh Jéhovah.
Seigneur,
Ce soir, il y a une voix qui s'élève. Il y a un peuple qui s'élève. Reconnaissons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants pour tes bontés dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants, Yahweh. Tu as tellement fait de Seigneur, que nous pouvons les compter, Seigneur. Même si aujourd'hui nous voulons les, nous décidons de les compter, Seigneur. Que pourrais-je t'offrir? Parce que tous les jours, que pourrais-je t'offrir? Du bien tous les jours. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah, oh Jéhovah. Jéhovah, ma louange te revient, ma gloire te revient, ma Seigneur, à toi, Seigneur, à toi, Seigneur, à toi, Seigneur.
ton Dieu, acclame 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 ton Dieu. Plus des cris de joie, plus des cris de joie, plus des cris de joie, plus des cris de joie. Devant ton Dieu, tu peux sauter, tu peux sauter, tu peux sauter. Devant ton Dieu, tu peux chanter. Devant ton Dieu, tu peux danser. Devant ton Dieu, tu peux chanter. Ma louange te revient, ma gloire te revient. Oh oui, ma louange, je dis qu'elle te revient à toi seul. Toi qui es bon pour toujours dans ma vie, je n'ai que toi Jésus. Tu es mon seul ami, mon seul et tendre amour. Oui, je t'aime Jésus. Oui, je t'aime Jésus. Oui, je t'aime Jésus. Oui, je t'aime mon Jésus. Toi qui es bon, si merveilleux avec moi. Oui, je t'aime Jésus. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Et reçois notre louange. 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 Reçois notre louange ce soir. Reçois notre louange. La louange qui monte de mon cœur et qui va vers toi. Reçois notre louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois notre louange. La louange qui monte vers toi, notre louange. Reçois 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 nos louanges. Reçois notre louange. Oui, notre louange. Reçois notre louange. Ah, oui, tu peux lui dire là où tu es. Je ne sais pas par un soupir, je ne sais pas par un mot, par un pas de danse, même par en levant les mains, je ne sais pas comment tu peux lui rendre cette louange ce soir. Lui qui est si bon, je disais lui qui est si bon. Jésus disait qu'il n'y a que le Père qui est bon, il n'y a que Dieu qui est bon ce soir. Ah, il est bon, je sens qu'il est bon pour quelqu'un ce soir. Je disais qu'il est encore bon pour une âme ce soir. Je disais qu'il est bon pour quelqu'un ce soir. Oh, qu'il est bon ce soir. Qu'il est bon de louer Jésus. Reçois notre louange. 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 Reçois, reçois. Reçois notre louange. Reçois notre. Reçois notre. Reçois notre, reçois notre louange. Reçois notre, reçois
Est-ce que le piano peut juste jouer? Juste le piano. Me manque pour te louer, pour te
t'adorer. Pour t'adorer. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Pour te louer. Pour te louer. Pour t'adorer. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Pour te louer. T'adorer. Pour t'adorer. Oh Jésus. Merci Seigneur. Les mots nous manquent pour t'exprimer notre reconnaissance. Les mots nous manquent pour te dire tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Les mots nous manquent pour te dire tout ce que tu fais pour nous. Comment pouvons-nous décrire ton amour? Comment pouvons-nous décrire tes bontés? Comment pouvons-nous décrire ta miséricorde? Comment pouvons-nous décrire, Seigneur, ta grâce? Merci pour cet amour que tu nous as manifesté, que tu nous manifestes jour après jour. Béni soit ton nom. Toi, le Dieu qui a rendu ce moment possible, nous voulons encore une fois solliciter l'assistance, la grâce, l'aide de ton esprit et te demander, Seigneur, de bénir ta parole dans nos cœurs et dans notre vie, car tu es le Dieu qui nous fait du bien. Nous nous disposons à toi, Dieu puissant. Prends contrôle de ces moments et de ces instants. Et parle-nous à travers de ta parole. Nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons tous et nous saluons tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connectés ce soir pour partager ce moment de prière, d'intercession. Nous venons pour chercher la face de Dieu et nous avons mis à part toute cette journée pour nous chercher la face du Seigneur. Comme la Bible le dit, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à faire la lecture de la parole de Dieu dans Actes chapitre 4. Nous allons lire du verset 23 jusqu'au verset 31. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 31. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les lèvres et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons,
des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. J'aimerais partager avec nous quelques pensées et si je puis donner un thème à cette petite exhortation, je dirais « Vois leurs menaces ». Amen. Vois leurs menaces. Nous sommes dans le contexte des Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, c'est un livre merveilleux, un livre charnière et qui nous introduit dans la Nouvelle Alliance. Les livres et l'histoire que nous venons de lire, c'est dans le contexte des miracles et des paralytiques du Temple. Pierre et Jean ont prié pour cet homme, ils l'ont ordonné de se lever et cet homme s'est levé dans Actes chapitre 3. Et quand il s'est levé, et c'était un moment merveilleux, mais ça les a créé d'autres problèmes où ils se sont retrouvés arrêtés et mis en prison. Et après délibération, les Sanhédrins, les policiers du temple décidèrent de les lâcher, mais à une condition, en leur menaçant, en leur intimant l'ordre de ne plus jamais prêcher au nom de Jésus. On les a lâchés, mais en leur disant, avec des menaces, dit la Bible, ils ont été chicotés et avec des menaces pour dire, plus jamais vous nous prêcherez au nom de Jésus. Nous ne voulons plus vous entendre parler, prêcher au nom de Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, va dire au Sanhédrin, jugez vous-même, est-ce que c'est bon de vous obéir ou d'obéir à Dieu? Et plus tard, quand ils sont revenus, retrouver les leurs, les autres frères et sœurs, et c'est là où nous sommes, ils ont donné les rapports de ce qu'ils avaient connu, et là, tous ensemble, comme un seul homme, ils élevèrent la voix, et ils ont fait une prière extraordinaire, une prière magnifique, une prière profonde et une prière qui ne pouvait pas laisser Dieu indifférent. La Bible dit, le lieu où ils étaient trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce qu'on leur avait interdit, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, vois leur menace, vois leur menace. Une menace, c'est quoi? Une menace, ça peut être une parole, un comportement par lequel on indique à quelqu'un qu'on a l'intention de le nuire, de lui faire du mal, de le contraindre à agir contre son gré. C'est ça une menace. Une menace est un signe, un indice qui laisse prévoir quelque chose de dangereux, de nuisible. On peut menacer quelqu'un avec des paroles pour lui mettre peut-être en garde, lui dire « Fais attention, je peux te faire du mal, je peux te faire du mal. » Et on peut menacer quelqu'un au travers d'un comportement, une attitude, peut-être aussi en posant un acte. Ça peut être une menace. Une menace, c'est un projet exprimé, de nuire quelqu'un. C'est un projet exprimé de nuire quelqu'un. Et la Bible dit clairement que le projet du diable n'est rien d'autre que de nous nuire de toutes les manières. Et en portant atteinte, n'est-ce pas, à nos biens ou à notre personne. Jean 10:10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable n'a pas autre chose que de nous nuire, nous faire du mal. Vois leur menace. C'était ça le cri des apôtres. Et bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons être menacés de diverses manières.
Et nous pouvons être menacés par une situation, nous pouvons être menacés par une circonstance de la vie, ça nous menace, ça menace notre paix, ça menace notre quiétude, ça peut menacer, notre santé peut être menacée d'une manière ou d'une autre, nos finances peuvent être menacées d'une manière ou d'une autre, nos relations peuvent être menacées d'une manière ou d'une autre, notre vie chrétienne peut être menacée d'une manière ou d'une autre, nos projets peuvent être menacés d'une manière ou d'une autre. Au fait, nous sommes dans un monde où les menaces peuvent venir de partout et de différentes formes. De partout et de différentes formes. Il peut venir de manière invisible, de manière visible. Ça peut venir d'une personne, ça peut venir d'une situation. Des fois même des personnes auxquelles on ne pouvait jamais imaginer, mais il devient, cette personne elle-même devient une menace pour vous. Il menace votre vie, il menace votre foyer, il menace votre couple. Vous vous sentez menacé. Quand vous êtes, vous commencez à vous sentir menacé, vous êtes comme dans l'insécurité. Vous vous sentez dans l'insécurité. Vous vous sentez dans l'insécurité parce que vous êtes menacé, sous menace. Sous les menaces des hommes, des autorités et toutes sortes de menaces, nous pouvons le connaître. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est en train de menacer votre vie? Qu'est-ce qui est en train de menacer votre foyer? Qu'est-ce qui est en train de menacer vos projets? Qu'est-ce qui est en train de menacer votre famille, vos enfants? Qu'est-ce qui est en train de menacer? Qu'est-ce qui menace votre ministère? Qu'est-ce qui menace votre marche chrétienne? Qu'est-ce qui est en train de vous menacer? Qui vous met dans l'insécurité? Qui cherche à nuire à votre vie? Les disciples ont dit simplement, Seigneur, vois leur menace. Vois leur menace. Ils étaient menacés. Et la Bible nous montre également plusieurs personnes qui ont subi des menaces. Nous pouvons prendre l'exemple d'Élie, Élie le prophète. Dans 1 Roi chapitre 19, Élie, le prophète qui a été menacé par Jézabel, au point qu'il n'a pas pu supporter ses menaces, il a fui pour aller sauver sa vie. Lui qui a fait face au prophète de Baal et d'Astarté, mais face aux menaces de Jézabel, il ne pouvait pas tenir. Et il a lâché prise. Beaucoup de gens, face aux menaces, ils ont craqué. Ils ont abandonné. Ils ont lâché. Ils ont dit non, c'est fini. J'abandonne ce projet. Je me sens tellement menacé. Le monde des ténèbres me menace. Les sorciers me menacent. Les circonstances me menacent. Je sens ma vie être menacée. Je sens mes projets être menacés. Je sens il y a quelque chose qui veut nuire à ma vie. Il y a quelque chose qui veut nuire à mes projets, qui veut nuire à mon existence. Je me sens menacé. Le jour, je me sens menacé. La nuit, je me sens menacé. Il y a une menace qui perturbe, qui a secoué ma quiétude, comme le cas d'Élie, qui pensait être en sécurité. C'est bien, la pluie est tombée. Les prophètes de Baal et d'Astarté sont tombés, sont morts. C'est fini. C'est maintenant le moment d'accalmie, de tranquillité. Mais du coup, Jézabel s'est levée et lui a créé des menaces. Traite-moi. Que le Dieu me traite dans toute leur rigueur si je ne fais pas de toi ce que tu as fait à mes prophètes. Élie, quand il a entendu cela, il a choisi la fuite face à ces menaces. Mais nous allons voir ces deux apôtres, Pierre et Jean, également, face aux menaces des hommes, des religieux. Comment ils ont-ils réagi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous connaissons tous des menaces. Nous sommes tous menacés d'une manière ou d'une autre.
dans tel ou tel autre domaine de notre vie. Peut-être au niveau de notre santé, il y a une menace au niveau de santé. Il y a une menace dans tel domaine, dans un domaine spirituel. Mais le problème, ce n'est pas la présence d'une menace, parce que nous les rencontrerons partout. Mais comment nous réagissons face aux menaces que nous connaissons? Comment nous réagissons quand nous nous sentons menacés par quelque chose? Quand nous sentons que le monde des ténèbres est en train de nous menacer? Comment nous réagissons quand je sens que la maladie, je sens qu'il y a des choses qui menacent, les divorces menacent mon couple, la division menace, il y a quelque chose. Comment je réagis? C'est ce qui est important. La victoire ou la défaite face aux menaces de l'ennemi dépend de notre réaction, de comment nous réagissons. J'ai parlé d'Élie qui, face aux menaces qui a frappé, qu'il a connu, il a réagi de manière à fuir, à tout abandonner, jusque même aller demander la mort, parce qu'il ne pouvait pas supporter cette menace de Jézabel. Il ne pouvait pas supporter cette menace de Jézabel. Alors, il a décidé de lâcher prise, de tout délaisser, de tout abandonner. Il y a des situations qui menacent notre vie. Il y a des circonstances qui menacent notre paix, notre quiétude, qui menacent notre joie, notre tranquillité. Il y a des choses qui menacent, je disais, notre santé. Mais comment nous devons réagir face aux menaces de l'ennemi? Comment allons-nous réagir? La première des choses que nous voyons ici avec les apôtres, face à ces menaces, dans le verset 19 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, j'aime ce que l'apôtre Paul dit lorsque on les menace, en leur disant, nous ne voulons plus vous entendre prêcher au nom de Jésus. La Bible dit, on leur a fait ces recommandations avec menace. Prochainement, vous serez mis à mort. Mais Pierre et Jean, la Bible dit ceci dans le verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Jugez face à ces menaces. Comment ont-ils réagi? Ce que nous voyons ici, c'est la résolution d'obéir, coûte que coûte à Dieu qu'aux hommes. Ils ont pris une résolution. On les menace. La mort est là. On peut le tuer. On peut le mettre en prison. On peut les arrêter. On peut mettre terme à leur vie. Mais face à ces menaces, et ils ont pris la résolution d'obéir à Dieu. Ils ont résolu de ne pas céder aux menaces, mais d'obéir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment ils ont réagi. Jugez vous-même. Ils ont pris la résolution d'obéir, coûte que coûte à Dieu. Pour rien au monde, je me détournerai de Dieu. Qu'importe les menaces du monde des ténèbres, mais je ne me détournerai pas de Dieu. Je ne me détournerai pas de Dieu. Je resterai consacré à Dieu. Je resterai attaché à Dieu. Ils ont résolu, ils disent, jugez vous-même. Est-ce que c'est bien? Est-ce, jugez vous-même si c'est bon d'obéir à Dieu plutôt qu'à vous. Ils ont décidé d'obéir à Dieu, de rester obéissant. Face aux menaces, qu'importe les menaces que vous subissez dans votre vie, restez obéissant. Continuez à obéir à Dieu. Continuez à obéir à la parole de Dieu. Que les menaces de la vie ne vous détournent pas de Dieu. Ne vous amènent pas dans la désobéissance à sa parole. Vous êtes tellement menacé, vous commencez à ne vous détournez pas de Dieu. Restez obéissant. Obéissez à Dieu. Continuez à obéir à Dieu. Que rien, qu'aucune menace ne vous détourne de Dieu. Et ça, c'est la première des choses.
Car combien ont abandonné leur foi? Combien ont abandonné Dieu à cause des pressions de la vie, des menaces, certaines situations les a tellement menacés. Non, ils n'en peuvent plus. Ils lâchent prise, ils abandonnent. Mais je veux encourager quelqu'un ce soir, continuez à obéir à Dieu. Amen. Continuez à obéir à Dieu. Que la menace de l'âge avancé ne te détourne pas de Dieu. Continue à obéir à Dieu. Que la menace des temps qui passent ne te détourne pas de Dieu. Continue à obéir à Dieu. Ils ont dit, jugez vous-même. S'il est juste d'obéir à Dieu, jugez vous-même devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous voyons également les trois jeunes hébreux qui ont, sous menace du roi Nebuchadnezzar, ils ont fait le choix, malgré l'état des choses, la fourneuse qui était chauffée 7 fois plus, mais ils ont décidé d'obéir à Dieu. Je vais encourager encore quelqu'un. Reste obéissant. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, face aux menaces que nous pouvons subir, que ce soit des hommes, que ce soit dans le milieu professionnel. Mais deuxième des choses, c'est qu'ils avaient l'esprit des partenariats. La Bible dit dans le verset 23, « Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. » Je lis la version Parole de vie. La version seconde dit, ils allèrent vers les leurs. Ils ne sont pas restés avec ces fardeaux, eux-mêmes en train de se battre, de lutter avec. Mais ils savaient qu'il y avait des personnes auprès de qui nous pouvons aller pour exprimer nos craintes, pour exprimer nos doutes, pour dire notre fardeau. Ils avaient des amis. La version Parole de vie, ils allèrent vers leurs amis. L'autre dit, ils allèrent vers les leurs. Ils ne sont pas restés dans leur coin. Ils ne se sont pas dit, non, moi je reste, je me bats seul. Mais ils ont trouvé les autres. Tu ne peux pas seul t'en sortir dans la vie. Tu as toujours besoin de quelqu'un d'autre. Tu as toujours besoin d'aller vers les autres. Un fardeau, tu ne peux pas seul porter le fardeau. Un fardeau porté seul est lourd, mais quand on le partage, ça devient supportable. Il est important que nous comprenions qu'il y a une force, qu'il y a une puissance en étant ensemble, à ne pas vouloir être seul. La Bible dit « Portez les fardeaux les uns les autres. » Ils allèrent vers le leur. Ils allèrent vers les amis. J'aimerais encourager quelqu'un. Ne restez pas seul avec ses problèmes. Prends le courage des Jean et de Pierre. Ils allèrent vers le leur et ils les partagent. Ils ont partagé les fardeaux pour qu'ensemble, qu'ils puissent porter cela. Et ils ont porté, partagé cela. Ils n'ont pas gardé pour eux seuls, mais ils ont partagé. Ils ont raconté. Ils n'ont pas gardé. Beaucoup de gens ont des problèmes dans leur cœur. Ils ont des souffrances. Ils ont des situations. Mais ils préfèrent les garder pour eux. Et ils sont en train de mourir à petit feu. Ils sont en train de souffrir. Mais l'Église est une famille. C'est là où nous devons apporter nos fardeaux et les partager avec les autres. C'est là où nous pouvons apporter nos souffrances et les partager avec les autres. Et ne pas rester seul dans son coin. Mais apprenons à partager nos fardeaux, à dire
nos souffrances. Et ça, c'est très important. Partagez votre fardeau. Ils allèrent vers les leurs. Je disais, un fardeau est lourd quand vous le portez seul. Les partager avec un ami vous permettra de les supporter. Un fardeau partagé est mieux porté. La Bible dit dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Portez les fardeaux. C'est là le but des moments de prière. C'est aussi apprendre à prier les uns pour les autres. À porter les fardeaux de mon frère. Au lieu de critiquer, la Bible dit, j'aime beaucoup la réaction des disciples. Lorsqu'on les a partagés, la Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Tous ensemble. Ils n'ont pas dit, ah Jean, ça c'est votre affaire. Pierre, ça c'est ton affaire. Surtout toi Pierre, nous t'avons dit quoi? Mais à ce moment-là, un fardeau partagé peut être porté. Mais un fardeau caché ne sera jamais porté. C'est un fardeau partagé qui est porté, qui peut être porté par tous. Et l'Église, nous devons être des porteurs de fardeaux. Une Église qui porte le fardeau des autres. Une Église qui porte le problème des autres. Une Église qui s'associe à l'autre pour porter son fardeau. Pas une Église qui est là pour calomnier, pour critiquer, pour parler des fardeaux des autres. Mais soyons des porteurs de fardeaux. Et non pas des rapporteurs, mais des porteurs. Ceux qui portent les fardeaux, qui savent pleurer avec ceux qui pleurent, qui se mettent à genoux avec ceux qui se mettent à genoux. Ils crient au Seigneur tous ensemble. La Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Nous devons reprendre le chemin de l'intercession. L'Église, nous sommes, les chrétiens, nous sommes devenus tellement égoïstes, même dans nos prières. On ne pense qu'à nous. On ne voit plus les fardeaux des autres. Et même quand c'est partagé, on ne sait pas les porter. On ne les porte pas, on dit, c'est son affaire. C'est son problème. Mais nous formons un corps. Quand un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors la Bible nous exhorte et nous encourage à porter les fardeaux les uns les autres. Où nous devons apprendre à prier les uns pour les autres. Avec ce même engouement, avec cette même passion, comme si tu priais pour toi-même. C'est s'approprier les problèmes de l'autre et d'en faire son problème. De prier avec le même zèle, avec la même foi. La Bible dit, ils élevèrent la voix ensemble. Pourquoi beaucoup de choses ne marchent pas? C'est parce que nous avons oublié le chemin de la prière ensemble. Or, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. Et ça, les apôtres ont compris l'enseignement de Jésus. Ils ont vite couru vers les leurs. Ils ont dit ça, nous ne pouvons pas les garder seuls. Mais dommage, des fois les gens ne trouvent pas les personnes auprès de qui aller partager leur fardeau. On ne trouve plus. Parce qu'on est tellement dans les critiques, tellement dans les calomnies. Les gens ont peur. Ils disent, si je lui dis, est-ce qu'il va me porter ou bien il va rapporter? Non, nous voulons être une église des porteurs de fardeaux, pas des rapporteurs de fardeaux des autres, mais des porteurs. C'est comme ça qu'il y aura un miracle.
C'est comme ça que nous pouvons faire face aux menaces de l'ennemi. En tant qu'Église, c'est en étant unis, en étant ensemble, en nous portant les uns les autres, en portant les problèmes de l'Église, que nous pouvons faire face à l'ennemi, aux menaces de l'ennemi, et repousser l'ennemi loin. Ce n'est pas en rapportant, mais en portant, que nous pouvons faire face aux menaces de l'ennemi. La Bible dit, ils élevèrent la voix tous ensemble. Tous ensemble, comme un seul homme. Et ils ont prié. Ils ont prié pour que le Seigneur fasse quelque chose. Face aux menaces, ils ont pris la résolution d'obéir à Dieu. Face aux menaces, ils n'ont pas voulu seuls. Ils sont allés partager leur fardeau. L'esprit de partenariat. De faire équipe avec les autres, de ne pas être un chrétien solitaire, mais un chrétien qui est avec les autres. Ils ont partagé leur fardeau, et les autres ont porté ces fardeaux. Et c'est ça, l'Église du Seigneur. Et troisièmement, que nous voyons, c'est la prière d'ensemble. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, la prière. Nous ne pouvons pas faire face aux menaces de l'ennemi sans la prière. La prière a sa place. Nous ne pouvons pas faire face aux menaces de la vie sans la prière. Ces hommes, après avoir reçu des menaces, ils ont recouru à la prière. Tous ensemble, ils se sont lancés dans la prière. Ils se sont mis dans la prière pour que quelque chose se passe. Et j'aimerais rapidement que nous puissions consulter, regarder leur prière, et puis nous allons prier. Le contenu de leur prière, comment ils ont prié. C'est cette prière que nous voyons être exaucée, au point où la Bible dit les lieux où ils étaient trembla. Leur prière n'est pas restée sans effet. Leur prière n'est pas restée sans vie. Mais c'était une prière qui a fait bouger Dieu. Ça a tellement bougé Dieu là où il était au ciel. Et la terre a commencé à trembler. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Ta prière fait bouger le trône de Dieu, alors Dieu tape le pied et dit non. Alors la terre où il s'est trouvé commençait à trembler. Et quelque chose de surnaturel s'est passé. Remarquez ce qu'a produit leur prière. Leur prière a produit deux choses. A produit le surnaturel et le spectaculaire. Pas seulement le surnaturel, mais aussi quelque chose de spectaculaire. Tout le monde a pu constater que le lieu où nous sommes a tremblé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelque chose de surnaturel est venu. Je prie que tu puisses vivre un miracle, quelque chose de surnaturel et de spectaculaire. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie soit quelque chose de surnaturel. Que Dieu intervienne surnaturellement dans ta vie, mais aussi spectaculairement. Au point que ceux qui vont le voir vont dire, waouh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est Dieu. Je prie que l'intervention de Dieu dans ta vie, que l'exaucement de ta prière soit dans cette deux dimensions, dans une dimension surnaturelle. C'est-à-dire aucun homme ne peut maîtriser ça, aucun homme ne peut contrôler ça, aucun homme ne peut stopper ça. C'est surnaturel, c'est au-delà des naturels. Alors ce qui est au-delà des naturels, le naturel ne peut pas les contrôler.
Quand vous êtes béni surnaturellement, le naturel ne peut pas maudire. Le naturel ne peut pas arrêter le surnaturel. Le naturel ne peut pas annuler le surnaturel. Et aussi, de manière spectaculaire, waouh, les lieux où ils étaient tremblants, de manière spectaculaire, personne ne peut dire « je n'ai pas vu cela ». Même vos ennemis les verront, constateront, reconnaîtront. Parce que c'est spectaculaire. Je prie que Dieu te bénisse de manière spectaculaire. Je prie que Dieu te bénisse de manière spectaculaire. Que Dieu te visite de manière spectaculaire. Que Dieu te touche de manière spectaculaire. Que Dieu puisse te visiter de manière spectaculaire. Que ça soit tellement spectaculaire, ça va faire trembler tes ennemis. Vous direz, hey, qu'est-ce qui se passe? Que ça fasse trembler tes ennemis. Que ça fasse trembler ceux qui te menacent. Que ça fasse trembler tes ennemis de manière spectaculaire. Que l'élévation vienne dans ta vie de manière spectaculaire. Oh, je prie pour une maternité spectaculaire. Je prie que ça soit de manière spectaculaire. Voilà la prière qui a amené ces deux choses. Le contenu de leur prière. Regardons le contenu de leur prière. Remarquez, ils commencèrent leur prière par l'adoration. Dans le verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu. Tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il commence par reconnaître la seigneurie de Jésus. Il commence à reconnaître, il dit, Seigneur, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un empereur romain, mais c'est toi. Ils reconnaissent la seigneurie de Jésus. Les hommes ont décidé, les hommes ont pris des résolutions, les hommes nous ont menacés, mais le Seigneur c'est toi. C'est toi le grand, c'est toi le redoutable, c'est toi l'invincible, c'est toi l'inégalable, c'est toi l'incontournable. Tu es Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Or, à l'époque où ils disent cette prière, le seul Seigneur qui a été reconnu à Rome, c'était César. Les soldats romains se saluaient en ce sens-là. En disant, César est Seigneur. Mais ils proclament que tu es le Seigneur. Dans le ciel, sur la terre. Il commence par l'adoration. Vous voyez, les menaces des hommes ne le perturbent pas. Ils reconnaissent. Dieu reste Dieu, malgré les menaces que je peux connaître. Dieu reste Dieu, malgré les attaques que je peux subir. Dieu reste Seigneur, malgré tout ce que je peux vivre. Dieu reste Seigneur, malgré tout ce que je peux connaître. Il commence par élever Dieu. Oh, si seulement nous pouvions commencer à prendre, malgré les situations que nous traversions, à élever Jésus, à reconnaître sa seigneurie. Malgré tout ce que je vis, rien ne peut annuler la seigneurie de Jésus-Christ. Il est le Seigneur de Seigneurs, il est le roi des rois. La Bible dit, il est le Seigneur de Seigneurs. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Reconnaître la seigneurie de Jésus. Deuxième chose que nous voyons dans leur prière qui a amené les effets dont nous avons parlé, c'est la proclamation de la parole. Dans leur prière, ils adoraient Dieu, mais ils proclamaient aussi la parole.
Il ne proclamait pas ce que les infligeaient les ennemis. Il ne proclamait pas ce que les autres ont dit, mais il proclamait la parole. Écoutez ce qu'ils disent dans le verset 25. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? C'est toi qui as dit. Ce n'est pas un homme, c'est toi qui as dit. Face aux menaces de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Ce que Dieu a dit. Ils ont cherché face aux menaces à comprendre, à saisir ce que Dieu a dit. Face aux menaces, et ils proclamaient ce que Dieu a dit. C'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit qu'on ne trouvera chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est toi qui as dit que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. C'est toi qui as dit, je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est toi qui as dit, servez-moi et je vous guérirai. C'est toi qui as dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est toi qui as dit, à tes projets répondra le succès. C'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un homme. C'est toi qui as dit ces choses. Face à ces menaces, je cherche ce qu'a dit Dieu. Une prière basée sur la parole. Basée sur ce que Dieu a dit. Je prie avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a dit. Proclame la parole. Déclare. Ce que Dieu a dit. Pas ce que toi tu imagines. Pas ce que tu ressens. Mais ce que Dieu a dit. Pas ce que tu vis ou tu traverses. Mais ce que Dieu a dit. Car la vraie intercession, c'est retourner à Dieu sa parole. Et puis nous voyons, ils ont terminé par la supplication. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons par le nom de ton saint serviteur Jésus. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Que leur menace ne passe pas inaperçue devant toi. Vois leur menace. Seigneur, que leur menace ne passe pas inaperçue. Vois leur menace. Vois comment nous sommes meurtris, menacés, déstabilisés, secoués. Seigneur, vois leur menace. Et puis il dit, donne à tes serviteurs. Donne. Donne à tes serviteurs ce qu'ils veulent. Ce n'est pas quelque chose face à ces menaces. Ils savent qu'ils n'ont pas quelque chose pour... Tout ce qu'ils peuvent avoir pour faire face à ces menaces ne peut venir que de Dieu. Il dit, donne-nous. Donne-nous la capacité de faire face à ces menaces. Donne-nous la grâce de faire face à ces menaces. Donne-nous la force. Donne à tes serviteurs. C'est toi qui peux nous donner la sagesse nécessaire. C'est toi qui peux nous donner la puissance nécessaire. C'est toi qui peux nous donner les capacités nécessaires. Car l'apôtre Paul dit, notre capacité vient de lui. Donne, Seigneur. Donne. Donne-nous, Seigneur, dans leur prière, dans la supplication. Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs. Ils demandent ce qu'on leur a interdit de faire. On leur a interdit de prêcher, d'annoncer la parole, de prêcher au nom de Jésus. Mais quand ils sont devant Dieu, ils disent, Seigneur, donne à tes serviteurs
d'annoncer ta parole. Mais c'est ce qu'on vous a dit de ne pas faire. Mais donne-nous la capacité de le faire. Donne-nous la force et la grâce de le faire. Et quand ils ont fait cette prière, la Bible dit, les lieux où ils étaient tremblants et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a des prières qui ne laissent pas Dieu indifférent. Il y a des prières qui font bouger Dieu. Et quand Dieu bouge, le surnaturel s'opère de manière spectaculaire. Et ce soir, pendant ces quelques minutes, nous voulons secouer les trônes de Dieu. Seigneur, vois leur menace. Et donne-nous la capacité, la grâce. Là où vous êtes, tenez-vous debout, nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui menace votre vie, qu'est-ce qui menace votre santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui menace vos finances, qu'est-ce qui menace votre marche spirituelle, votre marche chrétienne, qu'est-ce qui menace votre jeunesse qui vous met en danger ou vous vous sentez vraiment en danger. Qu'est-ce qui menace? Mais nous voulons faire la prière des apôtres. Cette prière, nous voulons élever Jésus. L'élever tellement au-dessus de nos menaces, de toutes formes de menaces, les jours, les menaces de nuit comme de jour. Mais nous voulons élever la Seigneurie de Jésus. Nous voulons lui dire que c'est toi qui es Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix. Ne regarde pas d'abord tes menaces. Ne regarde pas d'abord à la grandeur de cette menace. Ne regarde pas encore à la profondeur de cette menace. Ne regarde pas encore à la rage de l'ennemi. Mais commencez à regarder à la grandeur de Dieu. Commencez à regarder à la Seigneurie de Jésus. Commencez à penser à la puissance de Jésus. Et commencez à le louer pour qui il est. Pour ce qu'il est capable, pour qui il est. Commencez à l'élever. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Tu as trop élevé ton problème. Tu as tellement élevé cette difficulté. Tu as trop élevé toute cette journée. Tu as élevé trop ces problèmes. Tu as élevé trop cette difficulté. Est-ce que ce soir, tu peux maintenant élever simplement Jésus? Tu peux élever Jésus. Tu peux élever sa Seigneurie. Tu peux élever sa grandeur. Tu peux élever sa magnificence. Tu peux élever. Tu peux l'élever. Tu peux l'élever. Tu peux l'élever. Tu peux l'élever par tes propres mots, avec tes propres phrases. Tu peux le bénir. Tu peux le adorer. Tu peux proclamer sa Seigneurie. Oui, tu peux le louer, tu peux l'adorer. Qu'importe ce que tu traverses, qu'importe les menaces que tu connais, qu'importe les menaces que tu es en train de subir, les menaces qui peuvent te déstabiliser. Mais ne sois pas déstabilisé. Commence seulement à bénir le Seigneur. Oh, que ces menaces financières ne te déstabilisent pas, mais que ça t'amène dans la louange, que ça t'amène dans l'adoration, pour commencer à les louer, pour commencer à l'adorer, pour commencer à les célébrer. Oh, pour commencer à les glorifier, pour commencer à les lever, à les honorer, pour commencer à bénir véritablement son Saint-Nom. Oui, je veux le lever, je veux l'exalter, je veux l'adorer. Ne te concentre pas que sur les menaces de l'ennemi. Concentre-toi sur le Seigneur qui peut cesser et faire taire le menace. Concentre-toi sur le Seigneur qui est au-dessus de toute forme de menace. Concentre-toi sur le Seigneur qui a les capacités de mettre fin à toute forme de menace. Jésus, tu es le Seigneur. Je bénis ton nom. Je t'élève au-dessus de tout. Car tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout. Un nom qui surpasse tout. Un nom merveilleux. Un nom glorieux. Jésus, nous t'élèvons ce soir. Nous voulons t'exalter. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh, tu es le Seigneur qui opère des grandes choses, le Père qui a accompli des grandes choses.
le Seigneur qui opère des grands miracles, le Seigneur qui réalise ce qu'aucun homme ne peut réaliser. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Aucune menace ne te surpasse, aucune menace ne te surprend, aucune menace ne te secoue, aucune menace ne te déstabilise. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Tu es le Seigneur du ciel et de la terre. Tu es celui qui domine sur toutes choses. Tu es celui qui contrôle toutes choses. Tu es celui qui maîtrise toutes choses. Il n'y a pas de situation qui échappe à ton contrôle. Il n'y a pas de situation qui te perturbe. Il n'y a pas de situation qui te secoue. Il n'y a pas de situation qui te dérange. Il n'y a pas de situation qui te dépasse. Il n'y a pas de situation qui te dépasse. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois toute la gloire. Reçois toute la magnificence. Reçois toute la glorification. C'est toi l'Éternel. Tu n'es pas dépassé par les événements. Tu contrôles chaque détail. Tu contrôles chaque détail. Tu as la maîtrise de chaque chose. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre glorification. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui opères les choses grandioses et glorieuses. Tu opères des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons honneur. Nous te célébrons, roi puissant. Nous te magnifions, rocher inébranlable. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence. Tu es le Dieu qui nous satisfait, tu es le Dieu qui nous soutient, tu es l'Éternel qui combat pour nous, tu es le maître qui défend notre cause et notre intérêt. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'aucune menace, rien de ce qui nous menace peut te menacer. Rien de ce qui nous menace peut te déstabiliser. Il n'y a rien de ce qui nous menace. Il n'y a rien de ce qui nous menace qui peut te détrôner de ton trône. Tu es assis sur ton trône et tu es le Dieu vainqueur, le Dieu glorieux. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et l'honneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant nous voulons prier. Nous voulons maintenant dire comme les apôtres. C'est toi qui as dit. Face à ces menaces, j'aimerais que tu trouves une parole correspondant à cette menace et commencer à dire, à proclamer cela. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit, Seigneur. Ce n'est pas un homme. Commencez à proclamer, à réclamer, à déclarer la parole de Dieu. Ce que les Écritures déclarent, ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est ce qui doit faire partie de ta vie. C'est ce qui doit être la réalité de ta vie. Ce n'est pas les menaces que tu subis qui doivent être la réalité de ta vie. La réalité de ta vie, ça doit être ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. C'est ce que tu dois réclamer dans ta vie. Réclame ce que Dieu a dit dans ta vie. Réclame ce qu'il a proclamé. Réclame les paroles qu'il a dit. Réclame cela dans ta vie. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Je réclame ces paroles. Je réclame cette parole dans ma vie. Je réclame cette parole dans mon foyer. Je réclame cette parole dans ma famille. Je déclare cette parole. Je déclare cette. Je réclame cette parole. Je déclare l'accomplissement de cette parole. Est-ce que quelqu'un peut réclamer l'accomplissement de cette parole dans sa situation? C'est toi qui as dit. Ce n'est pas un homme. Réclame maintenant cette parole. Réclame maintenant l'accomplissement de cette parole. Réclame maintenant ce que Dieu a dit. L'accomplissement de ce que Dieu a dit. La réalité de ce que Dieu a dit. La réalité de ce que Dieu a dit. L'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ah, commence à parler de ce que Dieu a dit. Pas de ce que les ancêtres ont dit.
pas de ce que les autorités ont dit, pas de ce que le médecin ont dit, mais de ce que Dieu a dit. Je réclame l'accomplissement de ce que tu as dit. C'est toi qui as dit ces choses. Parle à Dieu. Prie avec la parole. Prie en brandissant la parole. Prie en déclarant la parole. En réclamant l'accomplissement de la parole. En réclamant la concrétisation de la parole. Je veux la réalité de la parole de Dieu dans ma vie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tel déclare les Écritures. Tel déclare ta parole. Tel déclare ta parole. Je ne me présente pas devant toi avec mes paroles, mais avec ta parole. Je ne me présente pas devant toi avec les paroles des médecins, mais avec ta parole. Oh Seigneur, c'est toi qui as dit. 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 Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. J'agirai, qui s'y opposera. C'est toi qui as dit. 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 Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous les verrez s'accomplir. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. C'est toi qui as dit. Je veux la réalité de ce que tu as dit dans ma vie. La réalité, l'accomplissement de ce que tu as dit dans ma vie. Oh Seigneur, non pas l'accomplissement de leurs menaces. Non pas l'accomplissement de leurs menaces. Mais l'accomplissement de ce que tu as dit. Des choses que tu as proclamées, des choses que tu as annoncées, des choses que tu as déclarées, des choses que tu as proclamées, des choses que tu as parlé, des choses que tu as libérées, les mots, les phrases, les paroles que tu as toi-même déclarées. Je réclame, je réclame, je réclame, je réclame, oh je réclame. Je réclame que 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Moi, je ne serai pas atteint. Toi-même, tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Toi-même, tu l'as dit, toi-même, tu l'as dit, toi-même, tu l'as dit, toi-même, tu l'as dit, toi-même, tu l'as dit. Je le proclame, je le déclare, je l'annonce, je l'écris. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je le réclame. Mets-toi à proclamer la parole de Dieu. Mets-toi à déclarer la parole de Dieu. Ce soir, proclame la parole de Dieu. Cesse de proclamer ta maladie. Cesse de proclamer ta situation. Proclame la parole de Dieu. 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 Cesse de proclamer tes défaites. Proclame la parole de Dieu. Cesse de proclamer les troubles. Proclame la parole de Dieu. La parole de paix. La parole de la tranquillité. La parole du repos. La parole de Dieu. 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 Déclare, 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 déclare. Déclare, déclare cette parole. Proclame cette parole. Proclame, déclare cette parole. Annonce-le, annonce-le. Annonce cette parole. Annonce-le au diable. Il faut qu'il entende. Dis-lui la parole de Dieu. Dis-lui la parole de Dieu. Dis-lui la parole de Dieu. Que le diable l'entende. Que ceux qui menacent ta vie entendent qu'il y a une parole puissante. Il y a une parole vivante. Il y a une parole. Il y a une parole véridique. Il y a une parole. Il y a une parole glorieuse. Il y a une parole. Il y a une parole convaincante. Il y a une parole de vie. Il y a une parole de vie. Il y a une parole de vie. Que le diable l'entende. Dis-le lui. Proclame-le devant le diable. Proclame-le. Dis-le. Dis-le. Confesse-le. Cette parole de foi. Il y a une parole de foi. Il y a une parole. Il y a une parole. Il y a une parole. Il y a une puissante parole. N'est-il pas écrit, il envoya sa parole.
Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Oh, que sa parole fasse les œuvres, fasse les travails qu'il faut. Oh, toi-même tu as dit. Toi-même tu as dit. Toi-même tu l'as dit. Voilà pourquoi nous le proclamons. Voilà pourquoi nous le déclarons. Voilà pourquoi nous le confessons. Pour nos vies, sur nos vies, nous déclarons ce que tu as dit. Sur nos vies, nous déclarons ce que tu as dit. Sur ta vie, déclare ce que Dieu a dit. Sur ta vie, déclare ce que Dieu a dit. Déclare sur ta vie ce que Dieu a dit. Déclare-le, confesse-le. Proclame-le, frères et sœurs. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a dit. Proclame cela. Alors que tu les déclares, les choses qui n'existaient pas commencent à venir en existence. C'est la parole de Dieu qui a amené les choses qui n'existaient pas à l'existence. C'est la parole de Dieu qui a donné la forme là où il n'y avait pas de forme. Alors que tu es en train de déclarer cette parole sur ta vie, il y a des choses qui n'existaient pas qui commencent à prendre place dans ta vie. Il y a des choses qui n'existaient pas qui commencent à prendre forme dans ta vie. Qui commence à prendre forme dans ta vie, qui commence à s'installer dans ta vie, qui commence à prendre forme parce que tu es en train de déclarer la parole de la guérison. La guérison commence à prendre place dans ta vie parce que tu es en train de déclarer la parole de la délivrance. La délivrance commence à prendre forme dans ta vie, à prendre place dans ta vie, à prendre place dans ta vie. La lumière a pris place sur la terre parce que Dieu a déclaré que la lumière soit. Oh, commence à déclarer. Alors les choses commencent à prendre place. Ah, que la réussite prenne place dans ta vie parce que tu déclares la parole de la réussite. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors que tu déclares la parole de la réussite, que la réussite prenne place. Que la réussite prenne place. Prenne place dans ta vie. Prenne forme dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Déclare. Alors ce que tu déclares est en train de prendre place, est en train de prendre forme, est en train de s'installer, est en train de se fixer, est en train de se stabiliser, est en train de s'enraciner. Wow! Est en train de prendre place dans ta vie. C'est en train de prendre place ce soir. Sois le prophète de ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un prophétise. Ah, il a dit, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as dit. Parle ce que Dieu a dit dans ta vie. Dis ce que Dieu a dit sur ta vie. Dis ce que Dieu a dit dans sa parole sur ta vie. Dis ce que Dieu a dit dans sa parole. Prophétise, parle sur ta vie. Parle sur ta vie, parle sur ta vie. Parle sur ta vie, parle sur ta vie, parle ce soir sur ta vie, parle sur ta vie. Que les choses prennent forme à la parole, que les choses prennent forme dans ta vie, que tu prennes la forme de la parole de Dieu, que tu prennes forme de la parole, car cette parole donne la forme, cette parole remplit le vide, cette parole amène à l'existence, attire les choses qui n'existaient pas dans ta vie pour que ça vienne exister, pour que ça existe, que ça vienne dans ta vie. Attire ces choses par la parole de Dieu. Attire cette guérison par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, attire maintenant les choses qui n'existent pas dans ta vie. Oh, les choses que Dieu a déclarées pour toi. Attire-le, attire-le, attire-le. Dans le nom de Jésus, attire-le. Attire-le ce soir, attire-le. Que ça vienne dans ta maison. Que la paix vienne dans ta maison. Que le repos vienne dans ta maison. Que la guérison vienne dans ta maison. Que la délivrance vienne dans ta maison. Attire-le dans ta maison. Attire-le dans tes affaires. Attire le succès dans tes affaires. Parce que Dieu a dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Attire, 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 attire. Attire ces choses. Attire, attire cela. Attire cela, attire cela. Attire cela, attire cela. Attire cela, attire la victoire. Car Dieu nous fait toujours triompher, déclare les Écritures.
attire la victoire, attire la victoire, attire le succès, attire la victoire, attire ces choses, attire-les dans ta vie, attire-les dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à être défaitiste. Tu ne peux plus continuer à être que dans les échecs. Tu ne peux plus continuer à être que dans la défaite. Attire, attire par la parole, attire par la parole, attire par la parole. Que ces choses viennent, que ces choses viennent en existence dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, Chato Robo Kayababa. De la même manière, Dieu a attiré la lumière la lumière là où régnait le ténèbre par sa parole. De cette même manière ce soir, nous attirons, nous attirons, nous attirons, nous attirons, nous attirons les choses, nous attirons le succès, nous attirons la victoire, nous attirons la lumière, nous attirons la joie, nous attirons la paix, nous attirons le repos, nous attirons ces choses dans le nom de Jésus. Nous attirons le fruit de l'esprit, nous attirons le don de l'esprit, nous attirons ces choses dans le nom de Jésus. Nous les attirons par la parole. Car lui-même a dit. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Proclame-le ce soir. Tu es le Dieu des miracles. Étends ta main pour qu'il se fasse des prodiges. Oui, je crois en toi. Des miracles et des guérisons. Oui, je crois en toi. Au nom de ton saint serviteur Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Étends ta main pour qu'il se fasse des prodiges et des miracles. Étends ta main, Seigneur, de ma vie, oui, pour qu'il se fasse des prodiges et miracles, des guérisons, au nom de ton saint serviteur Jésus. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de ma vie. Je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oh, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Dis-le. Celui qui fait voir les aveugles se tient ici en face de moi, se tient ici en face de moi. Celui qui fait entendre les sourds prend silencieuse toutes mes peurs, prend silencieuse toutes mes peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu
vérité. Tu es le Dieu de miracles. Oh, 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 je crois en toi. Oui, je crois en toi. Fasse des prodiges et des miracles. Au nom de ton saint serviteur Jésus, qui se fasse des prodiges, qui se fasse des miracles dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de ton saint serviteur Jésus, au nom de Jésus, qui se fasse des prodiges, qui se fasse des miracles. Et dans ta main, Seigneur. Étends ta main sur une famille ce soir. Étends ta main sur un enfant ce soir. Étends ta main sur un malade ce soir. Étends ta main sur un captif ce soir. Étends ta main sur un affligé ce soir. Étends ta main et qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Au nom de ton saint serviteur Jésus. Étends ta main, Seigneur, sur une famille déchirée. Étends ta main, Seigneur, sur un couple brisé. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Nous te les demandons dans le nom de Jésus ce soir. Fais-le, Seigneur. Merci, Seigneur. Telle est notre prière. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des prodiges, des miracles, des guérisons, au nom de ton saint serviteur Jésus. Nous disons tous amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous voulons apporter nos offrandes par tous les moyens. Vous pouvez avancer. Il y a le panier, il y a notre terminal carte bleue. Et vous qui nous suivez, il y a le numéro qui est affiché. Et vous aussi, ici dans la salle, vous pouvez envoyer à ces numéros BT et apporter vos offrandes. Excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia, hey, hey, hey.
Alléluia, 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 oh, je chante, tu es le Dieu de ma vie, Alléluia, tu es le prêtre de mon cœur, Alléluia, chantons, chante, Alléluia, 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 nous chantons. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Non, acclame-le bien ce soir. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur et nous le rendons de multiples actions de grâce. Que tout l'honneur et la gloire puissent lui revenir. Nous sommes à la fin de notre culte. Merci à vous qui êtes connectés et partagez ces moments ensemble avec nous. Et merci également à vous qui êtes là ce soir pour que nous puissions passer ce temps dans la prière. Et priant le Seigneur. Et nous continuons à prier. Dimanche, nous aurons notre deux cultes en ces lieux. Et nous continuons à prier le Seigneur. Vous voyez, les travaux avancent. Donc, ce que nous voulons simplement vous demander, c'est de ne pas être en dessous de ces barrages, de toutes ces histoires-là. Ce n'est pas un hangar où il faut aller, bon, moi je veux. Non. Il faut éviter d'aller en dessous. Et il ne faut même pas s'appuyer sur le barre de fer ou les poteaux qui sont là. Il ne faut pas s'appuyer sur ça. Okay? C'est une préparation parce qu'ils vont couler la dalle pour que notre balcon sorte jusque-là. Donc, ne vous appuyez pas, s'il vous plaît, et n'allez pas là-bas en dessous. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout et prier. Nous recommandons la grâce du Seigneur. Notre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Merci pour cette journée que nous avons mise à part dans le jeûne et dans la prière. Nous te sommes reconnaissants pour ta parole et pour ta fidélité. Nous voulons vraiment recommander ce pays, la France, entre tes saintes mains. Nous savons que tu es le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es le Seigneur de ce pays. Nous le proclamons et nous le déclarons. Nous vous remettons toute situation qui menace la vie de ton peuple, de tes enfants. Nous le plaçons devant ta face. Et nous savons que devant ta face, aucune menace ne peut résister. Car tu es le Seigneur. Il est dit, tout genou fléchira devant toi. Nous proclamons ta seigneurie sur cette pandémie dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne dans le nom de Jésus. Si les hommes ne savent le stopper, toi tu as la capacité, les moyens de les stopper en un clin d'œil, en un instant, le faire disparaître sur cette planète. Nous croyons, si tu l'as fait dans les années passées, tu peux le faire encore aujourd'hui. Nous te bénissons. Accompagne chacun d'entre nous dans la paix et dans la victoire, en bénissant le culte de ce dimanche que nous recommandons entre tes mains. Que tout l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.